Salut tout le monde, c'est Largon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour jouer en mode solo. Donc pour le moment on va pas jouer en événement etc parce qu'on n'a toujours pas fait de top 1, donc autant en faire un avant de passer en mode event. Voilà, d'ailleurs j'ai pas vu qu'il y avait un mode trio là. Bon, j'essaierai plus tard, mais d'ailleurs j'essaierai le duo d'abord en premier. Donc, on va faire jouer niveau 13. D'ailleurs, je suis passé il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, 2 sur 1700. J'ai pas encore pu jouer énormément, beaucoup depuis ce temps-là. Bon, à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, sans doute j'ai pu y jouer un peu. Mais pas non plus énormément parce que, du coup, comme j'ai déjà prévenu normalement dans quelques vidéos, je suis cette semaine normalement du 4 au 8 février, donc je sais pas trop de quand est-ce que je publie cette vidéo. Je sais juste que je la publie la semaine prochaine pour moi. Donc du 4 au 8 février, je suis pas chez moi, je suis à Londres avec mon lycée, avec ma classe de lycée. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos, je prépare des vidéos à l'avance. Et en vrai, j'en prépare plus que 4. Donc, voilà, donc on va être parti bientôt. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'en prépare plus que 4. Peut-être parce que je prépare à l'avance aussi. Je prépare celle du week-end et tout en plus, c'est vrai. C'est pour ça. Voilà. Et du coup, j'ai dû m'entraîner depuis sans doute un peu. Ah, toi, là-bas. Non. Là, non plus. J'arrive pas. Ah, on pouvait pas casser. Bon, j'ai pas pu tester si on pouvait casser le bus. Enfin, au moins, essayer de le dégrader ou pas. Je sais pas. C'est plus la map de Noël. C'est plus la map de Noël, donc. Ouais, par là. C'est peut-être parce que on est le. Non, on est juste le 31 janvier, donc. Enfin, actuellement, je tourne la vidéo, on est le 31 janvier, donc. Je vois pas pourquoi ils ont pu enlever la map de Noël maintenant. Ouais. Ils ont pu l'enlever le 1er février, ça aurait été un peu plus logique. C'est un peu fou. Ah, c'est le terrain de basket et tout. On a quelques items ici. Et on a un piège là-bas. Juste devant. Ok. Ah non. On n'a rien en fait. On a juste une brique. 30, pardon. C'est pas énorme, 30 briques. C'est quel objet ça? Oh putain, ça se casse en 2 secondes. Allez, et on saute à l'eau. Ok. On peut pas nager, c'est vrai. D'ailleurs, par rapport à nager, il me semble que j'ai déjà fait une vidéo à l'heure qu'il est sur tout simplement. Donc, oui, je viens de voir le planning que je me suis fait. Et oui, du coup, pour vous, j'ai déjà fait la vidéo avec Minecraft Smart Moving, qui est vraiment bien. Putain, faut faire gaffe. Oh, mais ouais! Du coup, là, on a déjà un avion là-bas. Donc, faut se cacher comme ça, prendre la potion. Et voilà, on est un peu safe, un petit peu. Voilà. Bon, on va arrêter de se balader. Faire gaffe. Vraiment, ouais. Vraiment. Je me balade comme ça. On a bien un bâtiment ici. On va rentrer. Voilà, ici. Voilà. Et là, on se prend un peu d'objets. Parce que sinon, on va mourir dès le début. Bien que ce soit quand même le cas, on va quand même mourir dès le début. C'est quasiment sûr et certain. Et du coup, depuis la dernière fois, bah, j'ai pas reçu vos réponses sur quel endroit c'est dans Fortnite. L'endroit où il y a les cibles et tout. En vrai, je crois que c'est. Ça doit être. Du coup. Voilà, si je me mets comme ça, ça doit être, voilà, dans la zone là. Et merde, j'y suis pas. Putain. Vraiment. Il a réussi à pas me voir ou il fait exprès? On a ça, parce qu'on n'est pas précis du tout. On n'est pas du tout précis, du coup on a ça. Vraiment? Le mec ne m'a pas vu, attendez. Il faut vraiment que j'élucide ça. Que je fasse gaffe sur tous les bords. Il est juste là-haut.
Combien? 106, 106 d'or. On va passer par là. Putain. Ah. Ok. Non, putain, je vais lui mettre un mur. Putain, j'allais attraper un peu de skill. J'arrive 43ème, mais sans tuer personne. En vrai, c'est le temps qu'on s'habitue quand même aux touches. De base, je me disais, mais comment c'est possible de gérer ça aussi simplement que le font par exemple Gotaga, Michou ou d'autres personnes. Comment ils le font pour gérer les constructions qui sont vraiment bizarres. Gain de palier, vous avez atteint le palier 8. Premier objet déverrouillé, cœur de glace. Ah, yes, on a un truc pour s'exprimer. C'est... Bon, non, c'est pas la danse. C'est autre chose, ça. Et... C'est... Hop. Sauvegarder et quitter. Ah, on peut en choisir un seul. Ok. Bon. Du coup, nickel. On repasse au salon, boutique d'objets. Bah, on a 0 V-Bets. Ouais, donc on a un besoin. Et du coup... Ah, voilà, cœur de glace. Waouh, il est beau. En vrai, on n'est plus dans la période de glace. C'est un peu moins d'actualité, mais bon. J'arrive un jour en retard, sans doute, parce que peut-être ça vient juste d'hier que c'est fini, la période comme ça, parce que ça fait quand même juste 2-3 jours que j'y ai pas joué. Donc c'est pas non plus hyper long. C'est pas comme si ça faisait 2 semaines, ou une semaine comme avant. Besoin d'un couvert, construisez, c'était ce que j'avais vu avant. À la première vidéo Fortnite que j'avais sortie juste, je m'étais juste amusé pour ceux qui n'avaient pas vu, à faire genre je sortais une fourchette. Même au record, je ne m'y attendais pas du tout à ce que je fasse ça après au montage. Juste au montage, je me suis dit, putain, c'est une occasion en or, je vais me faire plaisir. Du coup, je me suis amusé à ajouter une fourchette en PNG. Et c'est un non kill. C'est pas un kill. Ok. Là-haut. Ok. Et nickel. Et là, c'est la nuit. On peut ouvrir la carte même là. Cool. On va. Je suis jamais allé là quasiment. De ce niveau, c'est en face. Hop, voilà. On s'arrête ici comme ça. Hop, on fonce dessus. Puis de toute façon, le parachute va faire le reste parce qu'il va nous ralentir assez pour qu'on puisse arriver pile sur le point. Voilà, parce que là, on va arriver ici. Et là, bon, il y a des avions à côté, on s'en fout. On est juste à côté de quelle ville d'ailleurs, du coup? Salty Springs. Merde. Salty Springs. Oh putain, il y a un mec ouais, qui est tombé plus tôt. En vrai, faut faire gaffe à tomber assez tôt. Il y a ça pour me sauver la vie. Si je veux, il y a ce fil-là. Voilà, comme ça, il me sauve la vie. Et utiliser une tyrolienne dans plusieurs parties. Bon, bah apparemment, c'est fait. À nouveau. Je l'avais déjà fait avant, mais du coup, c'est fait là aussi. Il y a une tente là-bas. Peut-être qu'il y a des trucs là-dedans. Sans doute en vrai, mais faut vérifier s'il y a des bons trucs. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec de la merde. Là, on peut pas l'ouvrir. Il y a rien en fait. Bon, ils mettent rien dans les tentes. Merde. C'est pas entièrement réaliste. Faudrait qu'ils mettent des trucs dans les tentes quand même et qu'on puisse rentrer dedans. Ça serait drôle. Parce que tu te caches dans une tente. Et après t'attaques les autres comme ça. Les mecs qui passent près de toi en sortant de la tente, tu fais surprise, motherfucker. Putain. Faire gaffe. Ok. Non, bloqué juste à cause de ça. Ah. Ah. Non, 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 non. Il va pas me voir. Non, salaud! Le salon. Là, en plus, on était tellement serré que je pouvais bien le viser et le tuer. Putain, je peux le temps de cliquer. Je sais pas si vous avez entendu le clic au moment, mais je peux le temps de cliquer. Putain,
J'ai voulu cliquer et puis là, pouf, il m'a tué avant. J'ai pas réussi à riposter. Non. Élimination pistolet, bon, toujours pas. Pistolet mitrailleur, toujours pas. Mais je crois qu'il y a d'autres achievements ou des trucs du genre. Les défis. Grand froid, semaine 1. Disponible avec le pass de... Ok. Ils veulent nous montrer qu'il faut l'acheter. Bon, je sais pas si j'achèterai. En tout cas, j'ai pas assez d'argent pour le moment. Donc, je peux pas. Faire des parties avec au moins une élimination. Difficile. Ah, 4 sur 5. Il en faut plus qu'une. Il en faut danser dans différents lieux interdits. Comment on sait s'ils sont interdits? Parce que moi, je devine pas quel lieu est interdit dans Fortnite. Aucune idée. C'est pas le lieu. Par exemple, j'avais vu une vidéo avec un mec qui a trouvé un hoverboard secret, mais c'était en créatif. Merde, il faut lancer. En créatif, il a trouvé un hoverboard sacré très loin de la map. Enfin, secret, très loin de la map, sur lequel on pouvait pas aller en fait. Et sur l'île en fait, où on pouvait pas aller. Et du coup, il a pu tester le hoverboard et tout. Bon, à la limite, je verrai pour un jour tester ça dans pas longtemps. Un jour dans pas longtemps, c'est tellement contradictoire, mais du coup, je le testerai dans peut-être un mois ou un peu moins ou un peu plus. Je verrai bien. Parce que en vrai, ça pourrait être cool s'il y a toujours ce truc, le bug qu'il a présenté en plus. Mais il faut quand même que je gère pas mal les constructions parce que je crois que ça demandait de savoir construire dans les airs. Il faut d'abord que je sache construire. Sinon, je vais galérer. Vous pouvez sprinter sans... Ok. Alors, le bus de combat est juste ici. Ah, on fonce, on fonce, on fonce. Et on peut pas l'attaquer. Même ce qui est par terre ici. Ici. C'est pareil. Putain, y a un mec avec une mitraillette. Ça. Oh, on peut casser ça. Ok. Ok. What? C'est quoi ce fusil à pompe tactique? Et c'est la mort. Même pas. C'est la mort. La mort. La mort. La mort. Non, t'es pas mort. Putain, je suis nul en visée. Ok, tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas à vous. J'ai réussi à le taper un peu quand même. Merde, on peut pas enlever les briques. Je croyais. Vraiment, mais hein, apparemment ils sont trop spécifiques. Ah, les mecs en fait ils changent leur construction en deux temps trois mouvements. Leur construction, la façon et tout. Ok, enfin le sens et tout. Ils le changent en 2 secondes. Faudrait tellement que je fasse pareil, que je sache faire pareil. Donc là, alors où est-ce que je suis déjà? Je sais pas où je suis. C'est quoi cette météorite là-bas? Le mec est descendu à la vitesse de l'éclair. Il s'est fait descendre dans une météorite. C'est abusé ça, c'est trop cheaté si c'est le cas. Ok. Là, c'est un camp. Ok. Il y a déjà des mecs. Il y a déjà un mec. Il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas d'autre. Truc. Ok, on se casse. J'ai pas envie qu'il m'attaque, donc voilà. D'ailleurs, je m'amuse à faire des petits zigzags. Merde. Le but n'est pas de tomber dans un arbre. Oh, un truc de pique-nique. Merde. Hop. Ok. Ouais, vas-y, on casse le pont. Tant qu'on y est, on s'en fout du pont. Voilà, il n'y a pas de pont, il n'y a jamais de pont ici. Voilà, faites pas chier. Ça a jamais été un pont. Voilà. Les mecs qui connaissent pas la map pourraient ne pas reconnaître cet endroit. C'est quoi ce truc? C'est un truc qu'on peut casser, j'imagine. Effectivement. Donc autant le casser. Voilà, vous savez quoi. Et on gagne pas énormément de... Ouais, quand même pas mal de fer, ça va. Là, on a les buissons qui donnent le plus de fer. Enfin, de pierre. Enfin, non, de bois. Et ça donne pas beaucoup. Ok, un kit. Dac.
Voilà. On va un petit peu récolter tout ça. Et c'est perfect. Voilà. Ok. Oh, mode de foin. Et là, on en profite pour fouiller ça. Putain, on n'a rien. Fouiller une boîte de munitions à 10 lieux différents. Non, c'est pas marqué ça. Putain, salaud. 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 Putain, je vais mettre un mur aussi. En vrai, c'est le mec qu'on a vu dans le spawn qu'on a essayé de taper. Bon. Putain. Franchement, mec. Bon. Là, en tout cas, je vais pas vous cacher que je sais pas combien de temps ça fait que je recorde. Mais parce que du coup, j'ai additionné avec le record d'avant. Mais du coup, je pense que ce sera bientôt la fin. Et puis de toute façon, ça fait quand même 4 parties, il me semble. Et bon. Ça va, 4 parties. Je vais m'entraîner après aussi en solo, forcément. Hors vidéo. Parce que sinon, on va avancer beaucoup trop lentement. Donc voilà, donc on est parti pour une prochaine partie. Et boutique d'objets, on a bien vu. Objet du jour. Objet à la une. Ok. Bon, ok. J'ai pas vu grand-chose. Les objets et pièces d'équipement se trouvent surtout à l'intérieur des bâtiments. Ok. Donc, il faut éviter d'être dehors. D'accord. Je savais pas qu'il y en avait moins dehors. Je le savais pas, mais du coup, ça peut être quand même utile si on a juste une arme dehors, en fait. Parce que ouais, certes, comme ils le disent, c'est pas forcément tout dehors. Mais s'il y a au moins une seule arme, ça peut être utile. Oh, stylé ton skin, toi. Stylé. Plutôt stylé. Bon, là, voilà, on s'entraîne un tout petit peu. Et du coup, ouais, hors vidéo, je vais pouvoir trouver l'endroit où est-ce que c'est pour les cibles. Sans doute. Ok. On est parti. Donc, on l'a bien remercié. Là, ouais, j'ai envie d'aller là-bas. Merde, saute. What? Ok, j'ai eu un bug de saut. Ça voulait pas sauter. Je vais tout droit. Donc je vais à Lazy Links. Voilà. Et je prends l'habitude d'appuyer sur la touche de la map pour l'enlever. Non, c'est plus loin que Lazy Links. C'est... Voilà, le bloc de Sarko, un truc du genre Zarko. C'est Sarkozy. Bon. Le bloc de... Merde, qu'est-ce que je fous? Ok. Donc... Voilà, on peut foncer comme ça. Voilà, comme ça on va atterrir bah, à peu près à la bonne hauteur et au bon endroit. Sinon on aurait atterri beaucoup trop tôt. Donc, c'est quoi le truc? A fait un départ explosif dans le chat dès qu'on meurt. Ça veut dire quoi exactement? Ok, ça m'a l'air pas mal. Par Zartbot. Ok. Là, nickel. On a déjà un peu de construction et... C'est quoi ce truc? C'est un parc d'attractions? Ah bon bah dommage. C'est plus un parc d'attractions. Enfin un parc d'attractions sans passage. Nickel. Vous allez me dire, c'est parfait. Bon. Mais du coup, les employés peuvent plus trop venir. C'est un pistolet normal, ok. Et voilà, on se casse un peu. On peut casser les petites pierres, enfin les petites pierres, non? Ah, ça les casse en même temps, ok. C'est un crucé dans le sol, apparemment. Et c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est des accélérateurs, je crois, non? Ou ça montre juste où est l'escalier? Je sais pas. En vrai, oh, c'est un beau terrain. Merci. Merci, merci, il faut se grouiller quand même. Parce que là, on est en plein centre du terrain, les mecs, ils arrivent comme ça, easy. Voilà. Et, ouh, on a pas mal de trucs. Ok, voilà, nickel. Ça, c'est quoi? Gourde du brave. Ok. Bon, on va rentrer là-dedans dans les coulisses. On se permet pour la boire. Putain, c'est quand même long à la boire. Ok. Et, on l'a... Bientôt fini la moitié. C'est hyper long ce truc.
C'est trop long. Ok. Nickel. Là. Logiquement, ça, voilà. Ouais, non. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Et ça, c'est. C'est quoi déjà? Grenade. C'est juste une grenade normale, ok. D'accord. Donc. Ok, on peut en descendre. Oh, des dortoirs. Enfin, des casiers et tout, genre, c'est une salle de change. C'est les vestiaires, voilà. Les vestiaires. J'utilise des mots beaucoup trop compliqués pour juste des vestiaires. Pistolet silencieux. C'est un pistolet silencieux ou pas, ça aussi? Ah, attendez. Pistolet mitrailleur silencieux. Et ça, pistolet à silencieux. Aussi. Pistolet, non. Juste pistolet et ça, pistolet à silencieux. Ok. Oui, ouais, on entend à peine. Ouais, j'avoue. Il y a des trucs pas lents, je crois. Ok, on va casser le mur. On va essayer de se... voilà, on ouvre le bâtiment en plusieurs. Ah! On n'a pas fouillé ce truc. Il y en a pas mal, en fait, ouais, à l'intérieur. Surtout là. Putain. Fusil d'assaut, lunettes thermiques. C'est... comme celui-là, non? Ouh. Et celui-là. Ok. Ok. En vrai, je sais pas lequel est le meilleur. Lui. Faut que je choisisse vite. Radio cassette. Merde. C'est quoi? Ouais, non, radio cassette, ça sert pas à grand chose. Voilà, on va dire que c'est lui. Parce qu'il vise, attends. 36 dégâts. Et l'autre. Hop. L'autre. 100 dégâts, vas-y, je le garde lui. Faut pas rêver. Faut vraiment pas rêver, mais. Franchement, moi je préfère l'endroit, le, celui qui a le plus de dégâts. Voilà. Hop, on se casse par là. Et, plus de 31 mecs. Faut qu'on essaye de participer un peu à la chasse collective. Et en tuer certains. Ok, donc. Là, bon, c'est juste un petit garage. Avec un petit truc. On est bloqué. Hop. Fusil à pompe spécialisé. Je sais pas ce que c'est les armes spécialisées. Donc à la limite, si vous le savez aussi, les armes spécialisées, ce que c'est exactement par rapport aux armes normales, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que du coup, je sais pas du tout. Donc voilà. Bon, la vidéo sera plus longue que prévu, mais en vrai, faut pas non plus que je me centre trop sur la longueur des vidéos. Je pense après, avec le temps, je vais moins me centrer sur la longueur, à vous le dire en plus combien de temps ça doit durer, etc. Mais du coup, putain, il y a la limite juste là. Il faut se grouiller. Oh! Oh, il faut se grouiller. Ok. Oh, je suis de travers. Je suis de travers. Ok. Non, ouais, non. Ok. Putain. Vraiment. Je suis en train de me faire consumer la vie par cette merde. Oh, la vie descend trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. À mon goût. Ok. J'ai pas de... yes. Merde. Merde. C'est pas ça qu'il me fallait. Il me faut ça, voilà. Et ça. Voilà. Ok. Oh, je savais pas que ça cassait ça. Ok. Ah, ça en utilise 10 à chaque fois. D'accord. Bon, par contre là, ça va pas le faire si je... Vraiment, ok, c'est par là qu'il faut aller. Si je me fais tuer comme ça va pas le faire du tout. Oh, putain, yes. C'est pas du tout... Non, en vrai, je vais trop mourir comme ça. C'est abusé. Ok. J'ai plus de structure en plus. Pas besoin de me sauver avec les structures. J'ai pas moyen de me sauver avec les structures. J'aurais dû regarder la zone. Parce que je fais vraiment pas gaffe à la zone, moi. Mais putain que je vais mourir là. C'est obligé, je meurs. C'est obligé. À coup sûr, je vais mourir. Voilà, 3, 2, 1. Voilà, on s'amuse. On est mort.
La tempête a emporté la voie. Et là, comme par hasard, on voit plus en brouillard dès qu'on est à l'extérieur et qu'on est mort. Bon. En tout cas, ouais. C'est quoi cette arme? Je sais pas ce que c'est. Mais ouais, bon, ok. Retourner au salon. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc, on n'a pas trop avancé dans le classement, en fait. Vraiment, on n'a pas avancé. J'ai pas appris grand-chose de nouveau. Je vais jouer en solo aussi en plus. Donc je vais plus être niveau 13 et qu'on va se revoir après, je serai peut-être niveau 15. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo à tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!